Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'un réveil VTEC qui est un 9 en 1 avec réveil, projection de loi, de l'heure, étoile lumineuse, horloge parlante, mélodie relaxante, radio, voyance magique, jeu, enceinte pour lecteur, MP3, rien que ça en un produit. La notice est ici, bien détaillée, une petite publicité. Il fonctionne sur pile ou sur secteur, sauf que le secteur n'est pas fourni, les piles si, KTLR6, qu'on mettra ici, il y a une grosse pile ici, et ça s'introduit comme ça, donc les 4. Et sur secteur, on en a pour 14 € et moins cher si on prend un produit non officiel VTEC. Donc là, l'écran c'est 4 cm sur 4 cm. Hein. L'étoile est assez massive, hein, assez lourde. Et l'écran est très pixelisé, pas forcément lisible quand il n'y a pas beaucoup de luminosité. Donc on sera obligé de céder ici. Hop, soit si on veut couper le contour, là ça sera évidemment beaucoup plus lisible. Donc les réglages, c'est très simple. On passe par ici. Donc on règle soit, comme on le voit, la luminosité. Voilà, donc pour la régler, on choisit et après. Voilà, donc réglage quand même classique, super simple. Donc on a projection de l'heure. La projection. Réglage, projection. Pour avoir différents motifs. L'effet lumineux. L'effet lumineux, les couleurs. L'arrêt, on peut programmer. Pour régler l'heure, pour régler la date. Luminosité. Donc, plutôt bien. Hop, on revient à l'heure ici. On a du coup la fonction réveil. On active. Et du coup, c'est pas forcément intuitif pour aller régler l'heure. On a plusieurs mélodies. Voilà, 13h. On choisit. On valide. Et là, il faut choisir de revenir en arrière et on arrive sur l'heure qu'on peut du coup choisir. Hop, on va. Voilà, là c'est programmé, sauf que réveil. Je me suis raté. Je vais. Hop, 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 hop. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Il y a une fonction du coup snooze. Soit on choisit de l'arrêter, soit ça se rallume tous les 5 minutes pendant 3 fois. Et sinon on peut choisir de désactiver l'alarme une fois que c'est en marche. Ça fait aussi fonction de lecteur MP3, il y a un petit câble jack vraiment très court hein, qui est fourni. Comme ça permet de relier un lecteur MP3 ou là ici un smartphone. Donc ça c'est plutôt pratique quand même, il faut reconnaître. Alors je vais débrancher sinon on va peut-être pas avoir le son de l'appareil. Et on a la date, on a la... voilà. Donc l'alarme elle est là, on le voit, donc soit on choisit de valider le Z, il va se remettre à sonner dans 5 minutes, on le voit répéter. C'est parti. Voilà, on voit d'ailleurs que l'alarme est programmée. Et du coup on a plein de petits jeux aussi, donc soit on couple hein, pour économiser les piles. On a la fonction magique puisqu'on passe sa main et voilà, ça change de couleur. Et on peut également jouer. Il y a un mode où les couleurs défilent. Un mode jeu. Tour de magie. Alors là, un tour de magie, ça montre quelques petits jeux, c'est vite fait. Retiens bien là par exemple, il faut retenir le fruit. Dès qu'on le voit, voilà. On coupe. Et si on se trompe, voilà, ça met en rouge. Là c'est bon. Après on aura le nombre de points. Donc il y a plusieurs, trois petits jeux comme ça hein, qui sont un peu pareils. On a un voyance qui permet de poser des questions et puis il y a une réponse aléatoire, oui ou non, ou peut-être qui va venir. Donc voilà, je place ma main, le capteur la détecte. On dit par exemple, est-ce que ce produit se vendra bien? On lâche la main, suspense. Voilà, peut-être.
Donc voilà, des fois ça dit oui, des fois ça dit non, des fois ça met un petit cœur, des fois il y a juste un petit smiley sourire, enfin voilà, donc c'est des petites choses comme ça, ou alors il va deviner une carte, enfin voilà, des petits jeux vite fait. On a également des mélodies, donc la 6 de mémoire. Voilà. Mode musique radio. Sinon on a la radio. Mode musique. Mode radio. Radio. Voilà. Qui fonctionne très mal, je capte mal, je suis en campagne, je capte mal. Donc ça sert à rien de regarder. Comme bon, voilà, ça fonctionne là quand même cette station. Par ceux qui ont été spoliés. Et puis il évoque évidemment le caractère politique, le volume, et parfois messianique de son personnage de la Jamaïque en Europe, Max. En passant par le Zimbabwe. Ça grésille un peu du coup. De la joie par la souffrance. Un minimum. Et Dordor l'applique magnifiquement. Donc voilà, plutôt sympa comme d'avoir la radio. C'est... Et puis là, on a donc le mode connecté avec un autre appareil, en l'occurrence mon smartphone. Donc là, il reconnaît qu'il est connecté et puis on va balancer une musique. Voilà, donc là, c'est le smartphone qui pilote. Là, je suis au maximum. Le son n'est pas super super, hein, forcément. Et il vient de là. Et du coup, il est étouffé, il est vers le bas. Alors, s'il est vers le haut, c'est quand même mieux. Bref, c'est un peu bizarre d'avoir choisi de mettre le haut-parleur vers le bas. C'est un choix, c'est ainsi. Donc voilà les différents petits modes. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Et ben du coup on va voir ce que ça donne dans une pièce dans le noir, parce que c'est plutôt l'effet sur le plafond est plutôt très bien fait. Hop, je vais m'isoler ici. Hop 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 hop. Donc hop, alors c'est réglable. Alors, on voit le point lumineux, il est réglable un peu, hein. Voilà, on peut l'orienter comme ça. Ben voilà, en fait juste comme ça. Donc là on l'a sur le mur en face, voilà, c'est bien visible. Et on peut affiner en fonction de la distance. Voilà, on a une petite molette, on voit que c'est pas très net et là ça devient net. Et donc on pouvait changer d'effet lumineux si on voulait, et évidemment du coup on peut le mettre aussi au plafond. Donc là on est quand même on est à 2 mètres du coup 40, et on voit que l'effet est quand même très bien réussi, c'est très net. En plus, comme je disais, on peut affiner. Donc du coup, et ben c'est plutôt bien réussi. Et on peut changer le sens. Hein, parce que là, du coup, forcément, il est dans le. Hop, voilà, il est comme ça. Je peux mettre des jeux, voilà. Donc du coup on peut inverser l'air, ça peut toujours être utile. Et puis voilà, si on veut changer. La couleur, il suffit de passer sa main avec le petit capteur. Donc plutôt sympa, c'est un inconnu, c'est la durée des piles. Et ben le son n'est quand même pas terrible. Donc si mon front écoute à côté de nous la musique, on va vite en avoir marre parce que le son n'est pas terrible. Mais voilà, sinon quand même plutôt bien avoir maintenant la durée des piles. Hein, donc il vaut mieux prendre des rechargeables ou alors opter pour un chargeur secteur, mais du coup on pourra pas se balader avec le réveil. Et puis des fois on aime bien se mettre dans le noir ou voilà, comme ici dans les WC pour montrer l'exemple. Donc voilà, donc plutôt comme satisfait par ce produit VTech qui fait plutôt le chose bien. Alors après les petits jeux, c'est des petits jeux vite fait, hein. J'ai même pas, ouais si le après c'est des petit jeu de voyance là, c'est en fait on choisit quelque chose, par exemple le petit sapin, et puis du coup voilà, on dit que là il n'y a pas de petit sapin, donc on est moins là, voilà, on dit oui, puis forcément au bout d'un moment il va trouver laquelle c'est, voilà, on va dire non.
Et voilà, donc forcément, il retrouve la forme puisque du coup, c'est un algorithme. Donc voilà, donc, mais bon, c'est toujours sympa pour les enfants. Et puis, ben, on a fait le tour, hein, je crois. On a parlé d'un peu tout. Donc j'espère en tout cas que cet aperçu vous aura été utile. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain déballage. Bye bye, merci.